Hey, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec moi pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau concept. C'est une ouverture de 3 pop que je ferai du coup tous les mois, en fin de mois souvent on va dire, le dimanche s'il n'y a pas de vide-grenier par exemple. La première vidéo aujourd'hui, donc j'ouvre 3 pop que je ne connais pas, que Sarah n'a commandé en fait, et je vais donc essayer de deviner quel pop c'est, en les touchant, en posant des questions aussi parce que Sarah est en fait à côté de moi, mais vous le voyez pas, voilà, vous voyez ça va. Et du coup il va me répondre par oui ou par non, jusqu'à ce que je devine en fait la pop. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que du coup ça c'est mon concept, c'est mon idée, c'est mon univers avec toutes mes pop derrière, vous avez vu. Je fais tellement de vent que ça fait tomber la lumière. Donc on va commencer tout de suite. Tu veux bander tes yeux ou tu veux les fermer? Ah t'as un truc pour bander. C'est parti pour la première pop. Donc non, je ne suis pas aveugle, je ferme les yeux. Sarah est en train de déballer la première pop. Donc il va me la mettre dans la main. Ah, tu montres à la caméra? Ouais. Ah putain, je vois pas. Je jure que je ferme bien les yeux hein, parce que tu fais attention à pas les péter hein. Les yeux. C'est parti. Oula, une petite pop qui a l'air en jupe. Pas loin, pas loin, ouais ouais. Pas loin, d'accord. Ouais, on peut dire c'est... Non, c'est pas vraiment une jupe. C'est une toge. Pas mal, c'est pas loin. Ça c'est quoi qui dépasse là? Non. Ça c'est son... Quoi? Oh, c'est... un chouchou. C'est pas mal. Parce que là c'est le devant, ça c'est le nez, hein? Oui, bien joué, ouais. Donc déjà c'est une pop avec un nez. Oui. Il faut le dire parce qu'il y a des pops qui ont pas de nez. Hein. Ah, elle a les poings fermés. Je sais pas pourquoi oui. Je dis elle. C'est oui. Elle? Oui. Ah. Oui, c'est une femme. C'est une femme, oui. Elle a les... Ah, je dirais bien un truc de... genre Street Fighter. Ouais. Et la fille, je sais plus comment elle s'appelle, la chinoise là, qui, ouais, qui ça. A cette boule dans les... C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Eh, je suis trop forte. Allez. Elle est comme ça en fait. Ouais. Vous avez vu, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Elle est trop chou, mais c'est une pop que tu voulais en plus. Ouais, pour compléter la série Street ouais, Fighter. Exactement. Ça te fait plaisir? Oui. Ça commence t'as bien. Ouais, assez facilement. Ouais, ouais, j'ai reconnu les petits... La deuxième pop. C'est un truc que moi j'aime. Beaucoup. Battlestar Galactica. Oula, je la tiens dans le bon sens là. Non, elle est en merde. Oui, le cucu ou la tête. Là, c'est ça. Non, en plus, hein? encore. Ouais, là, elle est dans le bon non, sens. Non, tiens, elle est en merde. Il est conscient. J'ai l'air compté. Alors, qu'est-ce que c'est? Des gros pieds. Des gros pieds. Ce qui est bien avec les pop, oui, c'est qu'on trouve le sens facilement avec la taille de la tête. Tu as les cheveux courts? Ouais. Un carré à moitié? Oui, là. Bien. T'arrives à deviner les coiffures, les yeux fermés? Ouais, t'as... non mais moi je suis une guedin. J'ai touché. J'ai touché rectal. Ah, y'a un truc dans la main. Ouais, ah, tu viens de le péter. Non. Non, je plaisante. Putain, c'est un godemiché. Non. Donc déjà, c'est une fille, c'est sûr, c'est une robe. Oui, c'est une robe. Ça a des tétés, c'est ça, non? C'est les tétés, ouais. Ah, des gros tétés. Non. En plus, le personnage n'a pas de gros tétés, mais pour la pop, ils ont fait des gros tétés. Je repropose, hein, Battlestar Galactica. Pas du tout. Bah, pop Marvel. Non. Ah, non, raté. En robe, de toute façon, c'est pas très courant. Pop Movies? Non. Heroes? Non. Non plus. Pop Disney? Non. Pas du Doctor Who? Non. Série? Non. Jeux vidéo? Oui, Pop Games. Pop Games, ok. Fallout? Non. En robe en plus? Ouais. Dans un jeu vidéo? Ah ouais. Oh la vache. Avec un truc dans la main? Ouais. Genre c'est important le truc dans la main? Ouais. Un jeu vidéo récent? Plutôt ouais. Il y a 2 ans, 3 ans. C'est un jeu de vidéo sorti sur PC? Entre autres ouais. Une des fins de jeux vidéo qui m'a le plus ému. Ah t'en as parlé il y a pas longtemps de ça. Eh oui. J'en ai parlé avec Géjor. C'est oui, une fin qui ça. Te fait pleurer. Ah, c'est plus. Je ne pourrais pas dire. Tu ne pourrais pas me dire? Non. Eh ben tu peux ouvrir les yeux, c'est pas grave. Je connais pas. Elisabeth de Bioshock Infinite. Ah, Bioshock! Ah, c'était dur à deviner. Elle est mignonne. Elle est très belle. Et avec sa petite fiole, elle est très jolie. Non, franchement, ça, c'est une belle pop. Ouais, c'est une belle pop. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Hein. J'aime bien sa coiffure, on dirait moi au début de la chaîne. Quand c'est vrai. Donc, carré. La troisième. La troisième et dernière pop. Les yeux fermés. Dernière pop. Oui, c'est bon. Ça devrait pas être trop compliqué. Et c'est là que je vais mettre 10 000 ans. Oula. On dirait Bimo. On dirait Bimo. C'est Bimo? Oui. C'est Bimo. Je peux voir les yeux. Ah ouais, non. Ah, quelle couleur? Quelle couleur peut-être? Parce que nous on l'a en gris, en mode triste. Ouais, le mode triste. Et je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Pop-all. Alors là, c'est une exclusive, donc elle a une couleur particulière. Ah, c'est une exclusive. C'est pas la couleur originale. Elle est pas en mode phosphorescent ou un truc comme ça? Non. En rose? Oui, tu peux voir les yeux.
J'ai genre trop... Oh, elle est trop belle. Genre trop au hasard. Blushing Bimo. Blushing Bimo, quoi. Blushing... Ah oui, quand il rougit, quoi. Exactement, voilà. C'est qui parle pas anglais. Ah, elle est trop belle. Elle est trop chou, franchement. Oui. Voilà, on avait celui-là, en mode triste. Ouais. On avait celui-là, déjà. En mode je rougis, en mode je suis pas content. Mais oui, effectivement, alors, par contre, ouais, la pop a un petit défaut. Ça ouais. Se trouve, ça vaut plus cher. Donc, Bimo, oui, j'ai pas dit, c'est un personnage, du coup, de Adventure Time, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, on en a déjà parlé, de toute façon, avec les jeux vidéo qu'on avait trouvé la dernière fois, vide grenier. Donc, on conseille, hein, toujours. Moi, je suis fan depuis le lycée. Ça fait 16 ans. En moins. C'est tout pour cette vidéo, voilà, c'est assez rapide, voilà, on voulait faire un petit concept de vidéo tranquillou à regarder, un peu moins long que les autres qu'on peut faire. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à donner votre avis, comme d'habitude, dans les commentaires. Nous, on les lit, enfin surtout moi, je les lis tous, et je vous réponds dès que je peux. Votre avis m'intéresse vraiment, si vous avez d'autres suggestions à faire sur le concept en lui-même, voilà, si vous voulez que peut-être que je détaille un peu plus sur les pop, ou vous me dites, comme c'est un nouveau concept, hein, on cherche un petit peu encore comment faire. Abonnez-vous comme d'habitude, toujours le Facebook et le Twitter où il faut aller voir ce qui se passe aussi. Je vous fais des bisous, hein, c'est tout, ça s'arrête là et je vous dis à la prochaine. C'est trop mignon.